Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Tirage fascinant aujourd'hui sur l'épidémie du coronavirus en France. Je n'étais pas parti pour faire ce tirage, je voulais faire simplement les prédictions habituelles. Et puis euh, voilà, j'ai été pris de, de l'envie finalement de, de poser ce tirage sur l'évolution de l'épidémie en France. Vous avez remarqué que depuis une dizaine de jours, je poste beaucoup moins de vidéos, puisque comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente justement, je suis en train de travailler sur quelque chose qui sera révélé au courant mars. On n'est plus dans la prédiction, on est dans la prophétie, je dirais là. Suivez ma chaîne, ce sera une révélation très importante qui concernera la France. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Donc, ce tirage sur le coronavirus, alors je l'ai posé en mettant ici le présent, ici la voie qui mène vers l'avenir et à la fin l'avenir de l'épidémie du coronavirus. J'ai regardé les cartes sur et sous le paquet et j'ai fait une synthèse. Vous verrez que tout est extrêmement pertinent. Donc on commence avec le présent. Donc là sur cette carte, on a des cellules noires, des chevaliers noirs en fait, qui représentent les cellules du virus. On a une mêlée, on a une bataille. Donc on a quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On est dans un, dans un goulet ici, dans un défilé. On est obligé de passer dans ce défilé. Donc voilà, le virus, on ne peut pas l'éviter. Euh, il est droit devant. Je suis même retourné voir le fascicule pour relire euh, la définition de cette carte. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai trouvé La maladie. Hein Donc on est sur la carte, vous voyez, euh, de, de l'hospitalisation de la maladie. D'autant plus que vous voyez que ces cellules noires, elles sont hérissées de lances. Hein. Et je vous rappelle que le coronavirus a ce nom parce que la cellule ronde est justement hérissée de piques, elle aussi. Donc là, on a l'image de cette bataille hein, à laquelle on doit faire face. Et ensuite, on a le Christ Gnostique. Alors là, j'ai tout de suite vu eh bien un, le, le personnel médical hein, un infirmier le christ c'est un sauveur donc c'est un, un médecin quelqu'un qui peut vous guérir quelqu'un qui peut faire un miracle euh, contre la maladie et alors la deuxième chose qui m'est venue eh bien c'est même un nom puisque on a le docteur didier Raoult qui a annoncé hier ou avant-hier je ne sais plus que la molécule de la chloroquine qui est un médicament extrêmement répandu, extrêmement courant, connu, qui est déjà utilisé contre le paludisme et qui ne coûte pas cher, et eh bien était très efficace contre le coronavirus. Je rappelle que nous sommes le 27 février aujourd'hui. D'autant plus saisissant d'ailleurs que ce docteur Didier Raoult, eh bien, en plus d'être en blouse blanche, il a aussi les cheveux longs, une barbichette, bref, il a une apparence très identique à ce que me montre cette carte. Donc voilà, là on nous parle d'un médecin, un médecin qui a de l'intuition, un médecin qui a extrêmement confiance en lui, qui, qui nous demande de le suivre, de, de, de marcher dans ses traces. C'est quelqu'un qui, qui se consacre à son métier. Le docteur Didier Raoult dirige justement le seul institut spécialisé, je crois, contre les infections, l'Institut Méditerranée-Infection de France. Donc voilà, là on a un spécialiste qui nous demande de lui faire confiance. Donc voilà, un présent déjà. Très saisissant. Le futur est également extrêmement évident à interpréter. L'écart du milieu qui mène au futur pose un peu plus question. Alors voilà ce que je vais proposer. Déjà, cette carte peut nous rappeler la France un petit peu dans, dans les formes du, du paysage. Hein, on a un petit peu une carte de France qui apparaît au fond ici. Elle a ce dont on nous parle. C'est d'une étude, d'un apprentissage. Donc, je pense qu'on nous parle de, de cette étude du virus. Je me demande si ce personnage barbu ne représente pas de nouveau le docteur Didier Raoult. Bon, on verra. En tout cas, voilà. Là, on nous parle de quelqu'un qui, qui a pris conscience de, de ce qu'on lui apprend. Donc, effectivement, peut-être que, que cette chloroquine est vraiment efficace et que euh, là, on a le, le, le gouvernement qui, qui étudie ce que le docteur. Avance, qui essaye de confirmer, qui essaye de, de s'ouvrir. Hein. Voilà, là on a l'ouverture, on a l'étude, l'apprentissage, la prise de conscience. On a un coquillage ici qui, qui nous rappelle la, la protection, hein. donc se protéger contre la maladie. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que avec cette carte, on a la carte euh, de, la, de la querelle de la trahison, de la dissension, d'un conflit entre frères. Donc à mon avis, dans le, le traitement, dans les solutions, dans le remède, il va y avoir des désaccords, il va y avoir euh, des gens, quelqu'un qui va se sentir euh, trahi dans, dans, dans ce qu'il a proposé contre le virus, je pense. Il va y avoir des, des, désaccords, des désaccords entre médecins, entre chercheurs, entre politiques. Quoi, voilà, il, y a un, euh, il y a quand même un, un conflit à venir euh, au, à, au niveau de la voie qui mène à l'avenir. Et alors dans l'avenir, donc là, j'ai tout de suite vu eh bien, euh, ces gens qui, qui font la queue, qui défilent, ça m'évoque bien sûr une campagne de vaccination. Hein, D'autant plus qu'on a encore quelqu'un qui se trouve en blouse blanche ici, donc qui supervise cette foule qui se rend quelque part et d'autant plus qu'après on a Melchisedec. Melchisedec dans ce jeu c'est un prêtre guérisseur. Hein. C'est quelqu'un qui à un moment apporte une guérison subite. Et vous voyez que là il est en train de, de bénir. Hein. C'est eau qui coule. Eh bien c'est un vaccin, je pense. C'est un remède et cette personne vient, vient chercher le remède, vient se faire vacciner au médecin. Donc là pour moi on a une campagne. Euh, oui, sûrement de vaccination, cette foule qui se presse euh, vers, un, vers un savant, hein, vers, un, vers un docteur, donc a priori, vers un prêtre guérisseur, je pense qu'on est sur euh, la vaccination qui va arriver. Donc le, le délai que j'ai demandé, c'est les prochains mois. Hein. Euh, alors sur le paquet, donc quelque chose qui est plutôt euh, favorable au virus, on va dire. Euh, là j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, il évoque... La mort, généralement, il évoque, là vous voyez que cet individu, il a pris euh, les épées de ceux qui sont tombés, de ses camarades. Hein, euh, il paraît en larmes, il paraît triste, donc voilà, là ce sont les, euh, les morts qui tombent face au coronavirus, tout simplement. Et qu'est-ce qui lutte contre le coronavirus Là, on a la dame de pierre, donc cette dame, c'est le travail, c'est la recherche, c'est quelqu'un qui, qui a la tête baissée, qui qui cherche quelque chose de compliqué. On a ce, ce tissu très difficile sur ce métier à tisser qui est fait de, de beaucoup de fils, Voilà, beaucoup de, de chemins qui s'entrecroisent. Il faut recroiser les, euh, les, les preuves, les études euh, pour trouver une protection. Ce qui évoque euh, ce, ce, ce palais ici, cet isolement aussi finalement, euh, être confiné contre le virus. Donc voilà, le travail contre le virus. Et alors au niveau de la synthèse... On a 8 et 1, 9 et 8, 17 et 3, 20 et 3, 23 et 5, 28. Donc 2 et 8, 10. Et là, figurez-vous que le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la cellule, c'est le virus, hein, le coronavirus. Et regardez, cette roue de la fortune, ce sont des rois qui sont dessus, qui sont bien sûr couronnés. Donc voilà, la cellule du coronavirus, c'est la synthèse de ce tirage. On ne pouvait pas avoir... Plus explicite et effectivement plus synthétique comme carte. Voilà. Donc on voit aussi qu'il va y avoir de l'évolution. Voilà, les amis. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Aimez la vidéo, c'est important. Soutenez-moi si vous en avez l'envie, les moyens, si vous pensez que j'apporte quelque chose sur YouTube. Et je vous dis donc à très bientôt. Excellente journée.